puis à la une également au lycée Vandermerge de Roubaix, la mobilisation ne faiblit pas. L'établissement devrait fermer ses portes en 2013 et depuis quelques semaines, élèves, enseignants et parents manifestent face à ce qu'ils considèrent comme un gâchis. Dès la rentrée 2012, les classes de seconde devraient être fermées. Les autres élèves de Vandermerge passeront quant à eux leur baccalauréat dans un autre lycée roubaisien Jean Rostand. Les deux établissements devraient fusionner d'ici un an. Ce matin, plusieurs élus avaient rejoint la mobilisation. Une réunion a donc même été prévue entre les parents et le recteur, les familles pour qui le changement d'établissement est aussi un coût supplémentaire. Écoutez. S'il faut partir à Jean Rostand, ça va être un coût pour les familles. J'ai un parent d'élève là qui a comptabilisé un petit peu à combien ça lui reviendrait d'aller à Jean Rostand. Le coût pour elle par mois, ce serait 100 euros. 100 euros, vous imaginez si vous avez deux enfants au lycée? Mais ça devient, c'est énorme, quoi. On a demandé une audience au rectorat pour aller en discuter. Mais on compte aussi beaucoup sur nos élus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont là ce matin. On compte sur eux parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que nous, encore en tant que parents.